Bah en vrai, on est plutôt connus, quoi. Tu sais, les Tortues Ninja sont plutôt connues en Italie. Hein. Non mais j'ai juste envie de dire que je suis un monstre, en fait, mais tranquille. Les gens diront que c'est un coup de chance. Moi, je pense que c'est comme d'hab. Même temps de jeu. Alors, pourquoi on repart la même? C'était la même, là? Jamais freiné. J'ai jamais vu les traits. Il se passe quoi? C'est pas du tout la même map? Ça a l'air d'être pas la même map. Ah oui, y a pas la terre. Terre. Alors là on dit même chose, mais tu démarres ton drift en donnant un coup de frein. Ouais, y a pas de bloc d'or. Ok, je vois. Ah merde, j'ai utilisé la mauvaise touche. Ah oui, du coup tu le crées toi-même le truc, c'est ça? Mais là, tu vois en fait, sur la voiture qui est devant toi, elle a y a que deux pneus qui font une marche. Ok. C'est pas les quatre, je sais pas si c'est normal, c'est ce qu'il faut faire. C'est un mini coup de frein où tu braques très fort. En gros, c'est soit ça. Soit tu donnes un mini coup de frein, soit tu braques très fort. Oh là là, c'est chaud! Sinon, au pire, tu regardes le gosse, le GPS. Non, mais je vais y arriver. Ok, donc c'est peu crap, c'est juste le gosse qui est bugué. Ok. Oh shit! Ouais, je rattraperai jamais. Ah là, j'ai trop. Ouais, je vois. En fait, soit tu tournes à fond. Ouais, en fait, ouais. Soit tu donnes un peu. J'ai une idée, mais il faudrait que j'arrive à le rentrer. Ah, ok, l'autodrift se lance pas, c'est bien un mini coup de frein. Ok. Et là, Grasslight. Into 3-6, Into Turtle. Là, on vient de faire tous les exos qu'on a fait tout à l'heure en un coup. Vous avez vu, c'est insane. Je retiens de fou. Sauf le niveau. C'est vrai. Je comprends un S4D ou un SAD. Je suis SAD. Comment vous le prononcez ce... Ah, il faut faire ça, c'est sûr, DRK. Ok. Ça, S4D. Ouais, il faut passer au plus près du truc, là. Ok, S4D. Ça va si vite. Brûlé. Tu dégues. En fait, l'arrivée de l'autre, il faut rentrer dans le petit truc avec. Ah, merci. Ouais, yes, ok. Pas de soucis. Au cas où. Ouais, t'as raison. Tu vois là, il y a un petit panneau là. Ouais. C'est à l'intérieur qu'il faut rentrer. Tranquille. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu donnes un mini coup de frein pour ça, quand tu tournes. Ah non, tu donnes pas de frein, il faudrait que tu donnes un mini coup de frein pour amorcer le drift de jeu. Ok. Non, il a pas... Mana, tu parles de la... vidéo, tu parles du... Je vais faire un nuzbug. Il a pas encore fait le GPS. Mais ça, on l'a fait, non? Non, tu l'as pas fait. Il fait exactement ce que je faisais tout à l'heure, lui. Avec les 4. Oui, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que là, t'as pas le bloc de dirt. Mais attends, mais j'étais mute tout à l'heure ou c'est juste que je me suis... Okay. Je sais pas. Ok.
Blockies, oui, oui, c'est possible. En fait, tu vois là, c'est la même chose que tout à l'heure, il faut que tu gardes tes marques. Je pense. Oui, le plus près possible. Et... Ouais. Nelly, c'est le GPS de la map. En fait, quand il recule, ça passe dans la vue d'un. Ouais, c'est le coup de frein, c'est une frame. C'est vraiment un micro appui. Ok. D'accord. On va essayer. Ah oui, Jean René, c'est sûrement inutile comme le Nosebug qu'il a appris avant et d'autres. Là, c'est on va dire pour le fun. Je pense qu'on est bien. Je crois que tu manques de calcium. Ok. Ah, pourtant, j'ai bien mis le petit coup. Hein. Un peu deg en vrai. Mais tu vois, lui, il a l'air de le mettre assez tard. Il freine en plus! Ah, ok, donc tu maintiens pas assez le speed drift, pas assez longtemps. Ok. Donc tu dois pas avoir assez longtemps les marques. Bah, je les ai pas du tout, même. Ouais, c'est pas le problème. Tu vois, même ta voiture te rattrape. Non, mais tout à l'heure, j'avais un peu gardé le truc. Ok. Ok. Prendre large pour avoir plus de temps pour accélérer. Ouais. Oui, je t'ai parlé à toi, du moins Mana, pour le. Du moins, c'est ce que tu disais pour la vidéo. C'est le GPS et ouais, il vient de le regarder. Si c'est la vidéo. Dommage. Ouah. C'est trop dur. Impossible. Mais comment c'est... Pourquoi enfin genre le mec le garde pas et il finit quand même. Enfin genre je comprends pas. Ah non, on l'a pas vu. C'est quoi le souci de... Non, c'est que moi je le fais, les autres voitures le font pas et je me rate quand même. C'est un peu relou. Voilà, c'est très frustrant. Nosebug. Parfait. Et là, bam. Et tout. Ah, en fait, il a pas l'air. Je sais pas s'il freine avant la série. Il passe plus de temps sur la. Roue que fait le GPS. Avant le saut. Il revient d'abord sur la. Regarde, non, yo. Donc là, il fait quoi ? Il tourne bien à droite, vraiment à droite. Il fait un gauche-droite ? Il garde les marques le plus longtemps possible, ça c'est sûr. Et où est-ce qu'il atterrit ? Ouais, il atterrit bien loin, donc c'est bien ça. Oui, mais en gros, du moins. J'essaye, hein. Ouais, sur le Fura, je crois que c'est ça le. Il y a une petite arnaque sur le. Je crois l'avoir vu aussi. On dirait qu'il y a une arnaque sur le GPS. Tu le vois à un moment, en fait, quand il passe dans le bloc là. Ouais. Il y a de la terre. Oui, il y a de la terre, oui. Et je pense que c'est le GPS de la map que t'as testé avant. Ok. Donc essaye sans freiner. Moi je freine pas. Et peut-être au pire release pour atterrir un peu plus, du moins pas dans la bosse ou un truc du genre. Ok. Oups. Non, y a pas de terre. En fait non, la terre, Tatouo, elle est sur la map précédente qu'on a testée qui était similaire juste avec un bloc de terre. Ouais, là faut juste, je crois qu'il faut juste un peu ralentir pour pouvoir avoir le bon rebond. Ouais. On l'a vu, tu sais, la voiture là qui suit la Germanie là. Ouais. Tu la vois en fait quand toi t'as avancé, elle a release dans les airs. Regarde. Let's go. Tu vois comment elle a release? Ouais, je suis passé devant.
Top 1 campagne. Forza Napoli. En fait, elle a release pour taper, tu sais, sur le haut de la pente et pas la bosse. Donc c'est ça. Clairement. Ok, donc... Alors, qu'est-ce que c'est cette map? Ok. Zeus! Je crois qu'il n'y a pas de GPS d'Arc. Hein. Une backward, ok. Ouais, donc. Ah, bah ok. Donc c'est bien ça en fait. Il faut... Là, le chat dit wiggle wiggle. Donc faut faire des petits droite-gauche. Okay. Voilà, comme la main. Comme un petit serpent. Non. Non, tu fais pas demi-tour. C'est le but. Ah, il y a eu un petit hop. Il y a eu un prime. J'arrive. Trop marrant. Merci Car Plouf. Merci beaucoup pour le subprime. Bienvenue à toi sur Just TV. Merci pour ton soutien, c'est très gentil. J'espère que tu passes une bonne journée. Plus vite pour faire quoi. En fait, ça te fait de garder le fait de wiggle, je crois. Attends, mais c'est vraiment genre très rapide. Ouais, c'est un wiggle. Ok, j'arrive pas du tout. Alors, on te dit, faut que tu commences le wiggle dans la pente. Faut que tu entends le dérapage. Okay. En fait, tu vas l'entendre. Bah, dommage. C'est archi bien. Surtout voir Juice galérer sur Trackmania. Ça fait plaisir, merci. Bonjour à ceux qui arrivent. Merde. Bonjour, bonjour. Ah et on se dit wiggle que sur la terre. Ouais, je viens de voir ça. Salut mon amour. Let's bug. Je pense qu'on fera un bingo pendant le train de la Trackmania Cup. Ok, super. Avec Juice qui doit faire... Non, mais des trucs où tu dois faire un nosebug, tu dois placer un truc comme ça. Yo. Ah, affronter or. Bah voilà. Think différente qui te dit saute de côté pour pas subir la bosse. Ok. Ah oui, mais oui. Atterrissage de côté, du coup. Il a pas dit atterrir, il a dit sauter de côté. Moi je lis ce qui a marqué. On zigzag d'un coin à l'autre. Ah, c'était bien plus worse. Ouais, plus worse. En vrai, c'est marrant parce que du coup, wiggle tout le temps, c'est passé à nous en fait. Wiggle à gauche, puis ensuite à droite, puis ensuite à gauche, ensuite à droite. Et mercredi. En fait, je pense. Là, c'est un manque de vitesse le chat, c'est ça. C'est affreux. On te dit, en fait, dès que tu entends le son de dérapage, quand tu fais ton wiggle, c'est que t'accélères. Ok. Voilà, parfait. On commence à comprendre 2-3 trucs. Ah,
Ah, salopio. Zator aurait rajouté des cactus dans la descente. Ah bah c'est sûr, à 200%. Ouais. Des parapluies, des trucs, j'aurais mis du leurre, des saucisses. Donc faut qu'il garde le son du dérapage le plus longtemps possible, c'est ça le chat. Le son du dérapage le plus longtemps possible. Est-ce que dans la pente, quand tu fais ton wiggle, t'entends le son du dérapage? Oui, je l'entends, je l'entends, j'entends. Ah bah, essaye de... de l'avoir. C'est juste après, en fait. T'as vu que j'ai pas le son. Mais putain! J'ai pas de rétro! Moi non plus. Comment on peut dire quoi? Essaye de wiggle pour voir. C'est dommage ça. Peut-être une technique ancestrale que je viens de trouver. Ah, le problème c'est qu'il a le son des ghosts aussi. Ah, peut-être qu'il fait brain. Il y a des chances que je me fasse brain aussi. Bah, fais G. Nion. Eh, dommage. Salut Purple Snorky, bonjour. Mais le chat, là, juste il wiggle bien ou il faudrait qu'il wiggle plus? Enfin, faudrait qu'il fasse plus de droite-gauche? Ou c'est suffisant? Oh, dommage. Bah, je sais pas, parce que bah, du coup. Plus en fait. Bah, je crois que j'ai compris du coup, avec le bruit. Faut juste qu'il y ait masse bruit en fait. Faut que le bruit soit en continu en fait, on est d'accord? C'est ça. En fait, quand il y a le chat a dit quand il y a le bruit, c'est que t'es en train d'accélérer. Voilà, je touchais. Mon petit drapeau là. Et le mec dans la voiture, oui. qui fait des droite gauche avec la tête. Et comme ça, ouais, j'avoue. Hypnotisé par la tête du perso qui fait des droits de gauche perso. Moi je suis hypnotisé par le jeu là. Et merde. Pourquoi ça faisait pas de bruit? Salut Mandavarius, ça va très bien avec toi? Bonjour. Jean-René, tu veux dire quoi? Faire des wiggles plus longs? En fait, faire des wiggles comme ça, mais plus en utilisant toute la route? Bah ouais, mais du coup ça reste très chaud, non? Art of Sword, qu'est-ce que tu veux dire par trackpad? Ah non, là tu l'as commencé beaucoup trop tôt, je pense. Ah là, tout le long je l'étais, hein. Ah, dommage. Non. On te dit, essaye de. Je sais pas pour ça, mais il y en a qui ont proposé d'essayer de stab en l'air. Ok. On va essayer ça. Oh! Je sustain! Merci beaucoup! Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil! Merci pour les petits cœurs! J'espère que t'as passé un bon live! Merci beaucoup pour le raid! Je sustain! Justin qui était à la. Justin qui est. C'est moi qui dois répondre? Bah ouais, je pensais que t'allais répondre, mais tranquille. Ah, à la Zidane. Et oui, qui était avec l'équipe des. Fleurs. Voilà.
Comment ça va les amis? Bonjour à vous tous, j'espère que vous avez passé un excellent live. Ah, j'ai oublié de faire du wiggle wiggle. J'ai oublié de wiggle wiggle. Donc là, en fait, pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que pour Trackmania, nous, c'est très facile. Du coup, on fait des maps à l'envers. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de secret. Et merde. Tu viens m'aider à porter les valises, s'il te plaît? Pourquoi, tu t'en vas en Italie ou quoi? Oh, c'est pas bon. Mais non! J'ai oublié de stab. Qui a pas démérité pendant la Trackmania. La Dylan. C'était très, très cool à suivre le point de vue de Ponce et Juste. Parfait! Eh bah, parfait. Top 3 Italie! Eh, vous imaginez que je suis le troisième meilleur joueur d'Italie en fait sur cette map ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte? Je sais pas si les gens se rendent compte en fait. Bah, ça allait en vrai. Oh non, je vais rien dire. Non, oui, parce que je sentais encore que t'allais dire une blague foireuse là, mais vas-y, au pire, dis-le. Non, mais non, t'inquiète. 3 sur 3. Ouais, non, mais tranquille, ok, je vois. Non, mais aucun problème. Vas-y, c'est bon. Zeke, faut pas dire ça, cette lame. Non, mais c'est bon. C'est bon. Y'a aucun problème en fait. Médaille d'or instant au fait. Hein. Voilà. Y'a rien à dire de plus. Il fallait faire quoi sur cette map? Bah, rouler, je crois. Fallait juste rouler en fait, c'est pour la dirt. Top 6 Italie. Let's go, premier de ma région en Italie. Je fais ça pour la famille. Ah, ça c'était Zara. C'est quoi le tri? Est-ce que... Parce que Juice a eu la médaille d'or là, il se tapait. Mais c'était quoi le but là? Bah c'était faire ça, c'est conduire en fait. Non mais il faut comprendre, faut comprendre le nom du truc. Bah, no slide. En fait, il y a des gens qui ont dit trickpad et il y en a qui ont dit no slide. Donc, j'en sais rien moi. Ok, c'est tourner sans que les roues driquent. Oui, du coup, tu donnes des à-coups en fait. C'est ça. En gros, faut pas que tu driftes quoi. Tu vois, là ça drift. C'est pas des à-coups en fait, t'as pas besoin d'à-coups. Tu peux aller pas au bout en fait de ton joystick. Mais je comprends pas, du coup, genre je finis la course et c'est pas bon parce que j'ai pas respecté le truc. Mais non, c'est pas question de ça, c'est juste comprendre ce qu'il faut faire. C'est pas juste réussir aussi. Bah pour moi, c'est aller d'un point A à un point B, c'est vrai que du coup. Écoute, je suis premier de ma région. Qu'est-ce que je te dise? Ok, ça permet de garder le mieux possible sa gear. Ok, top 2 Italie. Merci. Merci, chat. C'est bon, je quitte. Top 2 Italie, top 1 Italie, ça va aussi, c'est bon. En gros, juste le no slide, ça te permet de garder ta gear sur la dirt en fait. Okay. Et c'est pour ça que je te parle d'essayer de comprendre en fait ce que tu fais sur cette map là. Parce que si par exemple t'as besoin d'en faire une sur une autre map qui est plus complexe ou plus longue, ça peut être intéressant de le savoir quoi. Excuse-moi de te couper. Arrêtez de dire qu'il y a que 10 joueurs en Italie. Arrêtez de dire ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'Italien qui se qualifie à la Trackmania Cup qu'il n'y a pas d'Italien en fait. Faut arrêter. T'es parti sur quoi là? Je sais pas si tu vois, c'est de la glace en fait. Ok. C'est une de celles qu'il a entourée, ouais, c'est la high. Non mais ça y est, je viens de me ressouvenir comment je faisais sur la glace. Faut juste que je me remémorise la map qu'on avait fait sur la Trackmania Cup.
Il y a Greg Damon qui dit « Dans ma région, il y a un petit gars qui s'appelle Carl Junior, j'arrive pas à le battre, je comprends pas. » Ah. L'entraînement. Bah, en vrai, quand t'es dans la même région que Carl, t'es en mode « Bah jamais je serai premier de ma région, quoi. » Qui doit être bien chaud, en vrai. En vrai, change de région, ça ira plus vite pour être premier d'une région. Ah! Fais comme Juice, va en campagne. T'es sérieux là ou pas? Vas-y, c'est bon. Je suis né là-bas! Il est où le problème? Je me fais tacler en plein live. Là-bas aussi, oh. Et voilà, du coup ça me déconcentre, c'est bon. Ah oui, je viens vraiment du sud. Partout les chemins. Ouais. Ah, il faut même pas la chance. J'y reviens. Nan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 
Irak, je vais pas lire ce que t'as écrit, sinon je pense que c'est bon. Ah dommage. Qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a mis? Il y a plus d'Italien sur Trackmania que d'Italien en bon foot. Ok. Donc ça part directement sur le foot. Petite nature. Petite nature. Juste petite nature en fait. Mais il n'y a aucun problème. Fais le malin derrière ton PC. Je peux rien dire. Je vais juste rien dire. Hop, c'est bon, moi de toute façon ça sert à rien. Je reste à 19ème italien, je suis humble. Je suis humble. Attends, le truc c'est surtout qu'il y a un trick sur la glace qui permet de refermer l'angle quand tu ice light. Mais t'es vraiment tendu. Bah on est mais là pour apprendre hein. Je me souviens d'un truc en vrai. J'arrive à faire un truc stylé. J'oublie. Je crois que c'est tapoter son frein comme quelqu'un. Mais non, Castor, on tacle pas, on est bon enfant. Ouais, tacle pas, ouais. En fait, y a ça, ouais. Ça tourne beaucoup plus vite, du coup. Trop dur. Non, putain, c'est trop chaud. Là, il aurait fallu tapoter le frein, je pense, je crois, à la fin, pour que tu aies un angle plus serré, je crois. Mais sans perdre, là t'as vu, t'as perdu l'adhérence. Silver, 11ème Italie, let's go. Y'a que des Italiens en fait en plus, sur ces maps là. Ouais. Non, je crois que ça te montre que les... Non. Y'a que des Italiens qui jouent à ça en fait. Y'a que des Italiens qui font les efforts en fait, pour essayer de s'y train. Je pense que c'est surtout ça. On se traîne pour pas se qualifier. J'arrive même pas à le dire. Pour pas se qualifier aux Coupes du Monde. Mais tranquille. J'en peux plus. Y'a que le pays italien dans le monde. On est tous italiens, ça voudrait dire ? Ça me fait plaisir. On est tous italiens tant que la France ne joue pas au foot contre l'Italie, quoi. Mais Spyrock, c'est normal, ça. C'est parce que Juice, il a baissé mon son sur OBS. J'ai pas baissé ton son sur OBS. Je préfère que j'ai moins de son que le moteur. T'es sérieux, là, ou quoi ? Bah moi, je sais pas. Moi, je lis ce qu'il y a marqué dans le chat. On me dit, ton son est plus... Moi, le moteur a plus de son que toi. C'est pas ma faute si la voiture a plus de chevaux que toi. Bah oui, mais non, mais ça c'est sûr. Hein? Non, Derka, t'as compris la vanne ou pas? Oui, non, mais c'était même pas une vanne en fait. Elle a plus de chevaux que moi, la voiture. Non, mais... Enfin, les cheveux aussi. Ah non, elle en a pas plus de chevaux que moi. Si. Cheveux. On va mettre des pneus de glace et puis c'est tout. Ah bah oui, mais de fou, je comprends pas pourquoi ils mettent pas ça par contre. Deux, sur la voiture là. Il va saouler sous circuit. La glace ça saoule en vrai. De quoi? Mais il faut la train. Mais je traîne toutes les maps là. Bah. Ce qu'il fera, je taclerai pas dessus. Sur quoi il tacle? Non, je peux pas le tacler, non, je vais me casser le tibia si je le tacle. Des pneus à clous, let's go. Non mais tu vois, genre là ma voiture elle tourne pas.
et Juice, parce que tu auras, Juice peut pas tacler sur la calvitie, donc voilà. C'est sérieux là ou pas? Ah non. Il est quelle heure là? 17h50? J'ai presque envie d'arrêter mon live là maintenant. Mais parce que t'as pas lu. En oui, gros, j'ai pas lu, oui. Ce que tu auras dit, ça tacle sur la calvitie, j'ai le plus. Et j'ai une calve, les amis, j'ai la calve, je l'ai la calve, c'est terminé. J'en ai une, c'est fini. C'est juste fini en fait. C'est juste fini. Finito Pepito, c'est terminé. 18ème italien, putain, mais je suis trop fort en vrai. En vrai, faudrait qu'on essaie d'avoir des sponsors en Italie. Hein. C'est sûr, hein, en vrai. DRK. Est-ce qu'il y a une TM School italienne? Non mais je m'en fous de la TM School. Joue pour regarder, ou au pire, on regarde sur la campagne. Non mais en vrai j'ai une idée. Imagine. Je fais du mapping, ok? Je crée quelques maps. Et là j'invite que des joueurs italiens. Et je l'appelle Juice Mania Cup. Je pense que c'est un bon truc. GRT truc. GRT Juice Cup, je l'appelle. Ouais, on lance. Je crois que ça s'est jamais fait. On lance une GLAN. Oui, on peut lancer une GLAN aussi. Par contre, on change de nom pour la GLAN. On peut pas prendre le G avant LAN. Pourquoi? Parce que quand. Bali sur le chat. Comment ça? Et on gagne point. Non, ok. J'ai pas la vanne. Ah! Non, mais. Non, mais j'ai LAN! Ça passe ouais. En vrai! Ouais, ouais. Quand parce on va que... voir le logo. Mais non, mais parce que imagine. Non, mais imagine. Tu sors de chez toi, ok? Tu sors de chez toi pour aller à la LAN. Et tes parents, ils te disent, mais tu vas où? Et tu dis, bah, j'ai LAN! C'est pas mal! Oui, c'est pas mal, mais imagine. Ses parents ils l'accompagnent jusqu'à devant la salle et ils voient le logo. Ouais. Et ils voient écrit ça. Ils vont pas lire pareil. Si, je pense, en vrai. Ouais, on fait un. C'est comme. Oh, c'est trop bien ça. Let's go, quasiment deux secs. Et comme Moano a dit, on fait gagner un chêne, c'est ça, avec. Pour être un chêne. J'ai l'arbre. L'enchaîne. Je l'enchaîne, oui. Je l'enchaîne. Bien vu. Oui, mais non. J'ai pas la ref, j'ai LAN. Ah, j'ai LAN. Ok, j'ai compris. Non. Non, mais alors. C'est plus, c'est, y a plus de l'or en vrai. On parle de quoi? Mais non, on parle pas de ça. On parle pas du tout de ça. Pourquoi on parle de gland en fait? Mais parce que j'ai LAN, ça fait. Quand tu le lis, ça fait gland. Non mais ok. Tranquille gros. Je t'enverrai un Discord en mode je joue sur le degré, mais y'a aucun problème. J'avais compris en fait. J'avais compris. Eh, vous pensez c'est parce que je suis immigré que je comprends pas ou pas ce que vous dites? Je suis allé à l'école hein. Je suis arrivé en 98 en France hein, les blagues je les connais hein. Hein, le gland, je sais ce que c'est les gars. Faut arrêter de me prendre pour un con hein. Hein, arrêtez de me prendre pour un gélant, c'est bon. Merci beaucoup. Xurlob pour le resub et le quatrième mois. Faut arrêter de prendre les gens pour un. Ouais, ok, super. Heureusement qu'il y a un cap à la fin. Ça a dû être dur d'arriver cette année là, ouais. Mais ouais, c'était dur, ouais. C'est dommage que la Zilane ait fait la pétanque. C'est pas parce que la Zilane a fait la pétanque que les Jeux Olympiques n'en feront pas, DRK. Oui, non, mais je veux dire, parce qu'en vrai, le main jeu de la Zilane, ça pouvait être la pétanque. Vas-y, j'attends la chute de la blague. Oh, c'est tout. Oui, parce que du coup, la. Ouais, parce que le gland, les boules, quoi.
Tranquille. On en est là. On en est juste là en fait, cet après-midi sur le live. Ok, on en est là. Donc on est sur des blagues de type caca praline quoi. Ah moi je suis grave chaud. Hein. 15ème Italie. C'est la fatigue. À force de drift, il y a plus de comme ça. Ouais, c'est la fatigue. Tu vas voir comme moi je vais être fatigué ce soir là. Moi il me plaît bien ce programme Zilan. En vrai, un tournoi de pétanque entre streamers cet été là. Je pense qu'on fait plus de. Mais... En vrai, je pense qu'on fait plus de viewers que la Zilan. Vraiment. En vrai, franchement, ouais. On loue une villa avec un terrain de boule. Ok ? Non, attends, non. Enfin, si, on loue une villa, on met des streamers dedans. On les fait jouer aux boules. Ok ? Et je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc de fou. Genre, mais des vrais! Un FFS pétanque! Comment ça, les vrais? Bah, les vraies règles! Des boules! Ah! Une vraie doublette ou une vraie triplette! Et ça, je pense qu'on explose! Qu'on explose Twitch, en vrai. En vrai, je pense vraiment qu'on explose Twitch, par contre. Mais c'est pas à combien de subs on le fait, Schwartz? Non, mais Schwartz, il comprend pas. Là, c'est pas question de ça. Là, Gérard, tu comprends pas. Il y a moyen, on peut louer et voir avec les copains et tout faire, en fait, du moins. Mais bon. Après, faut réussir à. Ouais, déjà, il faut avoir des copains pour jouer à Trackmania. Mais tranquille. Voilà. Mais je pense que je vais trouver deux Italiens. Je pense que je peux avoir. En vrai, je pense que si j'arrive sur un Discord italien, je leur dis voilà, j'ai fait ces résultats-là, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je vais trouver deux monstres, hein, en vrai. T'imagines les meilleurs joueurs italiens, ils sont de mon niveau. je pense pas en vrai. Est-ce qu'il y a des viewers qui suivent la Trackmania Grand League par exemple ou des tournois Trackmania? Oui, est-ce qu'il y a des Italiens s'il vous plaît? Non, pas oui, voilà. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà vu des Italiens T'es sérieux de dire, est-ce que vous avez déjà vu des Italiens ou pas? Mais non, mais c'est vrai, mais c'est ce que t'as posé comme. Mais tu sais qu'on est un pays frontalier en fait, on devrait tous être frères et sœurs, et en fait, vous nous détestez. Mais j'ai jamais dit que je vous détestais. Vous nous détestez à cause d'un matelas en fait, alors qu'on s'en fout complètement de cette histoire ou pas? Mais. Hein? Quoi? Oula! Materazzi, matelas, tranquille. Je t'apprends un mot en italien. Materazzi, ça veut dire matelas. Ok, bah tu m'apprends. Ah, VV. Et sans le coup, disent qu'il y a déjà eu des Italiens. Champions du monde? Vous avez des noms d'Italiens qui ont participé à. J'espère qu'ils n'ont pas des noms de footballeurs. Hein. Les Italiens de Schrödinger, personne ne sait s'ils existent vraiment. Je sais même pas ce que c'est. Les Italiens sont plus frontaliers en fait. Avec la Belgique qu'avec la France. De toute façon, il y a meilleure ambiance entre Italien et Belge que Italien-Français. Mais bon. En gros, Schrödinger, juste une expérience. Donc c'est le chat de Schrödinger. Et c'est l'expérience, en gros, donc le scientifique qui a mis son chat dans... Schrödinger qui a mis son chat dans une boîte. Et en fait, c'est le truc pour faire simple, c'est que... Attends, comment c'est, il a mis son chat dans une boîte? Je vous propose de mettre un point d'exclamation, par contre, juste ici, sur le chat. Enfin, what the fuck, en fait, mettre un chat dans une boîte, en fait. Et en fait, comme il a jamais ouvert la boîte, je sais pas si le chat, il est mort ou il est vivant. Attends, mais t'es sérieux? C'est sérieux, ouais. Et moi, si je le mets dans une boîte aussi? Non, je le mets pas dans une boîte, mais... Mais oui, en gros, c'est un peu ça, l'expérience. Oui, mais théorie, je le mets dans une boîte. Je vois que la boîte bouge plus. Bah, tu sais pas, vu que t'as pas ouvert la boîte. Oui, peut-être qu'il dort, c'est vrai. Tu sais pas. C'est un exercice d'esprit, oui. C'est ça, c'est une expérience de pensée. Je vois. C'est ça, mais les oui, Français non, mais sont oui. Jamais contents. Non, mais c'était pour lui donner l'exemple. Mais oui, il n'existe pas le chat. Ok, voilà. Ok, j'espère. C'est vrai que. Tenez, petite question. Pourquoi vous êtes toujours énervé
les Français. Voilà, vous. Pourquoi une généralité comme ça, il y a des Français qui sont pas énervés, quoi. Oui, mais la majorité des Français... alors, pardon, pas... Attends. Enfin, je sais pas. Parce que... Non, mais je... C'est juste, vous avez l'air tout le temps énervé, en vrai. Tout le temps énervé avec, comment dire, un énorme ego. Vous voyez, par exemple, vous pourriez peut-être avoir un ego si vous étiez, vous voyez, par exemple, premier d'un pays sur un jeu vidéo. Vous voyez, par exemple, sur une map. Hein, mais je dis ça, je dis rien, mais tranquille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a tout le monde dans le même sac. Mais je tacle pas, DRK, je glisse. Je suis sur la glace, en fait. Du coup, sur la glace, là, tu réussis à apprendre ce qu'il faut faire ou... Oui, oui, bah regarde, il faut tourner, là. Hop. Hop. Voilà, là, je... Hop. Voilà, j'ai juste choisi le... Ouais, je sais qu'à l'époque, vous aviez un énorme empire. Je le sais. Le mec qui le... Enfin... Le chef de cet empire-là était corse, quoi. Mais tranquille. Il était français. Donc. Ils sont où les Corses dans le chat, là? Non, Juice, tu confonds les Français et les Parisiens. Non, il faut arrêter, il y a des Parisiens qui sont très gentils. Hein. Non, mais en vrai, il n'y a pas... Enfin, comme dit DRK, ouais, c'est des généralités et tout, mais en vrai... Mais après, par contre, DRK, moi, je suis pas d'accord hein, que tu dises que les Corses sont français. Hein. Et comment ça, t'es pas d'accord? Bah, ils sont peut-être français sur votre carte monde. Oui, voilà, c'est ça, c'est voilà. Ce que je veux dire. C'est... Mais les... Enfin, voilà, les Corses, ils sont Corses, je crois. À part s'ils viennent de sortir d'une grotte, okay. Le département okay. en France... Département c'est, Mais la Corse, c'est 2A et 2B. Donc t'es en train... Oula, ok, ça va beaucoup trop loin. Oui, on est d'accord le chat. Donc là, mes amis corses dans le chat, vous êtes un département, les amis. Voilà. Vous êtes genre un département comme Nîmes, quoi. Mais Nîmes, c'est pas un département. Nîmes, c'est une ville. Ah, c'est chaud, en vrai. Et oui, c'est deux départements. Tu es un département. Tu es un département. Franchement, je serais corse. J'essaierai d'avoir ton IP. Mais pourquoi? Je sais pas. Pour c'est te retrouver. C'est une région, du coup. La Corse est une région de France. Oui. La Corse est une région. En vrai, si on part de ton postulat que la Corse n'est pas française, il faudrait dire que l'Alsace n'est pas française, il faudrait dire que la Bretagne n'est pas française. Écoute, alors, j'ai envie de te dire que l'Alsace est vraiment pas française, par contre. Ah bah, actuellement, si. Oui, pour vous. Mais moi, enfin voilà, quand je passe sur Google Maps et que je regarde les noms de villes qu'il y a en Alsace... Mais je t'avoue que pour la Trackmania, quand je suis allé à Strasbourg, hein. Je crois que j'étais en Allemagne. La Sardaigne et la Sicile, du coup. Elles sont italiennes ou pas? La Sardaigne et la Sicile? Ouais. Bah bien sûr, what the fuck. C'est nos îles. Et donc, pourquoi la Corse serait pas française? Parce que Corsica. Non, mais en vrai... Non, mais c'est vrai. Ils sont où, les amis alsaciens, là? Et c'est Alsace-Lorraine, c'est ça? Ils sont où? Où est-ce qu'ils sont dans le chat? Il y a Joe qui dit « Je suis alsacien, je suis oppressé par vos dires, monsieur Juice. » Je suis oppressé. Le Québec, c'est un département. Mais non, mais c'est bon aussi. Non, mais comment ça? Non, mais attendez. Parce que on est d'accord. Alors attendez, qu'on refasse un peu l'histoire de la France. Je m'y pose parce que c'est... Attendez. Attends. Il y a Spam qui dit j'ai un pote de Rome. Pour lui, la Sicile, c'est pas l'Italie. Oui, mais pour moi, Rome n'est pas l'Italie en fait. C'est juste des rigolos. C'est des clowns. En fait là, Rome, les gens qui habitent à Rome, ils font tous partie du cirque Pinder. Ils sont tous là-bas.
Il parle avec un accent bizarre et tout, c'est le cirque. C'est juste le cirque, mais tranquille. En fait, en France... Mais ça c'est parce que, c'est, en fait Rome c'est comme... En fait Rome et Naples c'est un peu comme Paris-Marseille, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu, voilà, c'est la capitale, voilà, ah, c'est un moi, peu le cirque. Mais même si je suis parisien, c'est pas pour ça que je dis que Marseille c'est pas la France, Marseille c'est la France. C'est une très belle ville de France. Est-ce que j'ai dit que Rome c'était pas l'Italie? Oui, tu l'as dit. Bah oui, c'est juste pour ça que tu l'as dit. Écoute. T'as même dit que c'était un cirque. Une ville peut être dans un pays, elle peut ne pas faire partie du pays. Monaco. Oui, non mais oui, mais Marseille... Est-ce que Monaco c'est français? Bah non, vu que c'est son propre pays. Et pourquoi ils sont dans le championnat Ligue 1 en fait? C'est une principauté, bah j'en sais rien, tu demanderas au championnat Ligue 1 gros. Eh, franchement... Monsieur le Prince, hein. Vous faites quoi dans la Ligue 1 en fait? Ça me fait rire, c'est comme l'Eurovision. Non, l'Australie. L'Eurovision. Bah c'est quoi, je peux t'expliquer. C'est pas Euro, c'est-à-dire Europe. Comment ça? Je peux retrouver l'explication, parce que c'est une très bonne... Comme ça, ça apprendra des choses. Oui, mais est-ce que l'Australie est première sur les maps Italie, en fait? Non. Alors que moi... Voilà, je le suis. En le fait, Commonwealth, oui. C'est... J'ai vu la série. L'Eurovision, c'est organisé donc par ce qu'on appelle l'Union Européenne de Radio-Télévision. Et ouais. ça réunit des membres en fait de cette union. D'accord. Qui ne sont pas nécessairement en Europe. C'est pour ça que t'as, bah, comme tu dis, l'Australie, t'as l'Israël, t'as la... Si je dis pas de bêtises... Mais oui, c'est ça, Irak, tu vois, DRK. Pourquoi Monaco aurait le droit d'avoir une équipe dans la Ligue 1 et pas une équipe de moines du Vatican en Serie A? Eh ben t'as qu'à demander au pape, gros. Franchement, si le pape pourrait faire une équipe de foot, ça serait insane. Mais t'arrives sur le terrain, là. Il y a une autre ville comme ça. Mais Saint-Marin, on est d'accord que c'est son propre pays. Attends, de quoi j'ai pas... On dit Saint-Marin. Marino, oui. Oui, oui, c'est bon. Oui. Saint-Marin. C'est en Italie, mais c'est pas l'Italie. Franchement, je sais même pas où ils sont. No joke. Je sais pas où ils sont. C'est comme les Français, quand ils voient la météo, ils savent pas placer Sardaigne. Vous voyez, ils savent pas où c'est la Sardaigne. Je sais pas où c'est Saint-Marin. La Sardaigne, c'est comme la Corse, mais en plus grande. C'est chaud quand même. Merci Joshua pour le resub. Qu'est-ce qui est en dessous de la Corse en plus loin? En plus grand, c'est la Sardaigne. Bah oui. Oui, c'est ça. Bah oui. En vrai, les parigots, c'est pas gentil de dire les parigots. Ils ne représentent pas la France. Comme les strivers ne représentent pas les travailleurs. Oula, tu me tacles en fait. Ah oui, c'est un tacle pour les streamers là, on est d'accord. C'est ça, on est d'accord. Ok, écoute, on va pas se prendre à part. Qu'est-ce qui fait dire que c'est pas un vrai travail? Est-ce que c'est parce que il y a la pénibilité? Je pense que c'est parce que je suis pas. Non, c'est tranquille. Streamer n'est pas un métier. Je comprends. C'est vrai que. Non, mais je peux comprendre, hein, que ça soit pas un travail. Genre là, t'es en train de me dire, OMG, ce mec joue à Trackmania. Il est nul en plus. Il fait que des top 1 en Italie. Et c'est son travail, quoi. J'ai mis du temps à expliquer ça à mes parents. Aussi, je dois t'avouer. Faudrait grandir, stop les jeux vidéo. Yes. Non, mais tranquille, tranquille. Y'a pas de problème. Mais du coup, ouais, c'est où Saint-Marin? Alors, Saint-Marin. Parce que j'ai aucune idée. Vraiment, je sais vraiment pas où c'est. Moi, je pensais que c'était une petite île vers Malte, quoi. Alors, Saint-Marin, c'est en Italie, plutôt nord, sur la côte, à côté de Rimini. Réaction de Jousse. Sérieux ? Rimini, ouais, entre Florence et Rimini. Oui, bah oui, ça, je sais où c'est, Rimini. Oh, purée, je vois Forlì.
Fordy, je connais grâce à Stone. À l'est de Bologne. T'es pas remboursé par la sécu, c'est dommage parce qu'elle fait. Parce que ça fait du soleil dans le cœur. Bah ouais. Merci Panzer. En vrai, Saint-Marin, c'est plus petit que Naples. Hein. Merci Panzer pour les deux subgifts. Et merci Joshua pour le 18e mois. Merci beaucoup pour le soutien. De quoi c'est plus petit que. Mais attends, mais t'es en train de dire quoi là? Pourquoi t'attaques Naples en fait? Non, mais j'ai dit Saint-Marin, c'est plus petit que Naples. C'est ce que je te dis. Mais heureusement, je sais même pas où la placer. Ouais, c'est juste à la sortie de Rimini. C'est comme... Genre, moi, ça m'énerve à la météo de voir Nîmes et de pas voir Montpellier, par exemple, tu vois. Je ne comprends pas. Alors que sur Google, Montpellier est écrit en plus gros que Nîmes. Eh oui, et ça, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Ah oui, là, il faut faire un gros truc, là. Ouais, là il faut faire un gros tournant là. Non, mais je crois que c'est parce que Nîmes était. On avait siège de la région, je sais pas quoi. C'était juste pour partir sur le fait des streamers, pas travailleurs, mais on avait compris le français, oui. Le sens de la phrase. Oui, ne t'inquiète pas. Mais oui, Nemesis, t'inquiète. Il est ok. C'était juste pour te mettre full pression. C'était juste pour la pression. Le siège de la région est à Montpellier. En plus! Ah, mais c'est juste, je pense, ils ont payé les droits, quoi. En parlant de Nîmes, t'as vu leur équipe de foot, là? Je crois qu'ils sont dans le caca boudin de fou, en vrai. Ouais, je suis pas le foot aussi. J'espère qu'ils vont se faire acheter comme le Qatar, là. Comme ça, au moins, ils auront de vrais joueurs, une vraie équipe, avec plein de joueurs qui coûtent. Qui arrivent pas à aller en championnat. Hop, c'est passé, tranquille. Par contre, chien, tu dis ça, mais en vrai, zéro. Hein. De quoi? En gros, il dit 100% Arles-Avignon fume l'équipe de Naples. Mais en fait... Non, par contre, enfin... Il est non, par contre, arrête de manger ton tacos complètement empoisonné, là, et arrête de nous insulter, par contre. Arrête de nous insulter. Arrête. Naples a une très belle équipe. Ah oui, mais parce que la région maintenant, souvent. La région, elle a changé chez vous maintenant. C'est l'Occitanie et je crois que c'est Toulouse, le siège. Ouais, ça a changé. Et le siège du département, je crois que c'est Montpellier pour le département. Ah non, la région, c'est l'Hérault et le département, c'est l'Occitanie. Pardon. Oui, et du coup, on n'est pas du tout sur la météo, en fait. Ouais. Parce qu'en vrai, moi, quand je regarde la météo, je m'en fous de ce qu'il fait à Nîmes. Je veux savoir ce qu'il fait à Montpellier, en fait. Ça m'énerve trop. Genre je suis en mode, c'est bien pour les Nîmois qui regardent la télé, mais pour un Montpellierien. Bon, Nîmes c'est gare, mais pourquoi les infos alors? Eh oui, Nîmes c'est le gare, c'est le 30. Bah voilà, il y a des infos de chat depuis tout à l'heure, moi je suis... Ah okay, oui, mais le gare existe plus du coup, vu qu'il y a Occitanie. Je sais plus. Tu sais que le gare et l'Hérault, il y a une énorme guerre. Hein. C'est une énorme guerre, hein, gare héros. Mais c'est ça, l'Occitanie, c'est la région. Non, je comprends plus rien, là. Le chat, il marque son contraire. Énorme guerre. Gare de Cluse. Ah, mais tout, il y a une énorme guerre, au final, mais en fait... En fait? En fait, il suffirait de tous s'aimer, voilà. De tous s'aimer? Ok. C'est qui est premier campagne là? Voilà, juste comme ça en fait. Juste comme ça. Je dois être le seul mec napolitain qui joue au jeu. Mais ça par contre, c'est pas... sûr. Ça c'est sûr à 200% par contre. Ça c'est pas grave, Erak. En vrai, ça c'est vraiment pas grave. Qu'est-ce qui est pas grave? Que Erak a marqué. Tu sais même pas dire quand on fait quoi? Bah c'est pas super sympa en vrai. What the fuck, Erak? Ah non, mais... Non, c'est pas grave. Comment ça c'est pas grave?
Nappes, c'est dans la région de Campagne. Campagne. Salut Ed. Ed, Juice, il a des problèmes avec les maps que t'as choisi. Bah non, je suis premier campagne. Il a réussi, il a du moins. Alors, on va te faire est-ce un résumé. Est-ce qu'on retournerait pas, est-ce qu'on retournerait pas sur du Neo Drift là? Non, après. Finis la glace. Je finis ma glace? Ouais, finis ta glace. Après on va. Ok, je finis ma glace. Donc ouais, pour Ed, pour te faire un résumé là des maps que tu nous as filées. Si ça t'étonne. Juste, il a commencé avec la map How to Train Drift et il a commencé sur le Neo Drift. Il réussit à faire le Neo Drift, mais au clavier. Il a réussi à rentrer deux fois à la manette, mais ça veut pas encore la manette. Ouais, donc clavier, il réussit. Et ensuite, il a tout shot le Nosebug. C'est qui la première? C'est moi. Il a vraiment, du moins en vrai, t'as réussi. La plupart des trucs, tu les as bien réussi. Hein. Mais bien sûr que je les ai réussi, mais c'est chaud. Ouais, le Nosebug, il a tout shot, il a vu comment ça fonctionnait, il a fait, il est rentré. Et je crois que c'est la map où t'as eu la médaille hauteur, non, le Nosebug. Ouais, j'ai WR, ouais. Il y a une map où il a eu le temps hauteur et je crois que c'était le Nosebug. Oh non. Et ouais, merde. Ah, mais quel bordel! Ah, t'as jamais fait ces maps, Ed? Je pensais que je fais. C'est la map Turtle qu'il a. Oui, la Turtle! Ouais, c'est la Turtle que j'ai dit. Ok. Je fais un truc de fou. Il y a le clip qui doit traîner quelque part. Ah, oui, c'est ça. Juice, ça bind l'accélération sur. Sur A, sur X et A en fait. Pour essayer le Neo, mais le Neo il a encore du mal. Voilà, ça c'est au moins top Italie ça. Ok. Mais elles sont bien faites, Ed. C'est juste que bah, c'est le Neo encore à apprendre. Hop, je suis tombé dans le vide. Le Grass Light c'était ok. C'était spécial, mais c'était ok. Et grâce au chat, en vrai, hein. c'est surtout grâce au chat que t'as réussi ça. On a eu Jules Nera qui est passé sur le chat pendant. Ouais, il y a eu Coco aussi. Il y avait Papou. Papou et. Donc c'est cool, Jules Nera a donné pas mal de conseils sur le Neo. Mais le Neo à la manette, c'est compliqué encore. Ouais, c'est chaud. On va avoir besoin de toi, je pense. Et du chat. Non, mais je pense qu'on va y retourner après, là. On va en profiter un petit peu. Y'a pas un truc, là, si on met... Ouais, c'est un truc comme ça, il faut que je fasse, en vrai. Je crois qu'il y avait un truc, c'est genre je laissais juste les roues avant sur la neige, ça passait quand même avec le speed. Ah, t'es joueur clavier, Ed. En gros, le problème, Ed, c'est que Juice a essayé après de jouer au clavier et c'était terrible. Donc le swap. Bah, super. Non, mais en vrai, c'est vrai, c'est toi qui l'as dit. Ah ouais, bah attends, tranquille, attends. Attends. Ah non, mais on veut. C'est lui qui. Faut ressortir les clips. Regarde. Voilà, regardez. C'est énorme. Comme moi, je le dis. Par contre, le clavier sur la neige, au secours. Mais quand lui, il le dit. Quand lui, il le dit, y a pas de problème. Mais quand moi, je le dis, ça, il part en basket. Oh mon dieu, c'est. Ok. Plus jamais. Ah non, je peux pas jouer au clavier sur ça. Ah non, le clavier sur la neige, au secours, en vrai. Ouais, non, bah si, bien sûr que si. Hein. Et merde. Que ça, c'est le streamer de. Comment ça?
T'as un problème? Ah, je vais jamais. Ouais. Ok, circuit suivant. T'as même pas eu l'or. Et alors? Tu vas faire quoi? Tu vas venir me chercher chez moi? Et t'es signe, je sais pas s'il va y avoir ce setup double PC au final. Ah bah super, bonne ambiance. Bah tu sais quoi, au moins mon perso sera niveau 70 ce soir quoi. C'est cool. Ah ouais? Je vais pouvoir faire mes rois en fait. Il va te rouler sur les pieds, Jus. Ah bah super, bonne ambiance encore une fois. Je crois qu'il fallait que tu repartes. Oui, oui, j'ai vu ça après. C'est map compliquée. Ouais, bien sûr. Je crois que tout le monde rigole bien aujourd'hui. Et toi, j'espère que tu rigoles bien aussi. Ouais, de fou. Regarde. Je rigole de fou. Let's go! 13ème italien. Bronze. Je veux vraiment dire que les vols italiens à chaque map. Mais c'est quoi ton problème? Non, je sais pas, c'est une question. Tu crois que les joueurs de Trackmania français, quand ils sont pas bien classés, disent pas let's go, 100ème FR? J'ai pas le droit d'être heureux? J'ai pas le droit au bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Et bah il est surtout pas ici. C'est bon. Ils rigolent mais ils ont pas 10% de ta puissance. Ouais, après vrai, tu sais c'est internet en vrai. Hein. Moi pourquoi j'accepte pas de jouer avec Juice. Attends, il y a quelqu'un qui vient d'écrire un truc de fou. Attends, il y a quelqu'un qui vient d'écrire un truc de fou dans le chat. En vrai, 100ème FR, t'es grave chaud. Depuis tout à l'heure, je fais que des top 15 italiens. Et on prend pour un mec pas chaud, vous foutez de ma gueule du coup. Putain, vraiment, vous nous mettez dans une boîte à classement de nab. Non, ah ouais, c'est bon, c'est bon. En vrai, non, mais c'est bon. Douce. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est, bon. Mais... c'est pas parce que. Non, j'ai compris. On est italien, du coup, on est une naze. C'est bon. Et voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On va ressortir la coquille d'œuf. Ah ouais, ok, d'accord. Donc ça part sur ça en plus de ça. Ok. Il y a juste qu'un joueur en Italie. Franchement les amis. Mamma mia Marcello. Il va revenir. Non, en vrai du. Parlons peu, parlons bien. Non. En vrai. On va demander à Ilis. Ouais. Ou à Nadeo. Ouais. Quel est le ratio entre le nombre de joueurs qui ont mis la région française et le nombre de joueurs qui ont mis la région italienne? Et comme ça, on saura le ratio en fait. Oui, c'est et ça. À ce moment-là, Elis sort une vieille blague comme vous sortez sur le chat. Et là, je suis au fond. Mais on sort pas de blagues. Elles sont où les blagues? Les blagues, ah oui. C'est rigolo. Depuis tout à l'heure, il y a des blagues. Depuis tout à l'heure. Mais on est d'accord, Jus. Quand t'es premier sur 100, c'est pas la même chose d'être premier sur 50. Dans tous les cas, t'es premier. C'est bon. Mais non, mais réponds-moi. C'est bon. Si par exemple, je suis. Du moins, t'es premier sur 1000, par exemple. Je pense. Vas-y, c'est bon. Et à côté, t'es premier sur 100. Est-ce que c'est la même chose, tu? Il y a l'électricité en Italie, vraiment là? Non, mais là, ça va trop loin. Là. Non, là, je sais pas quoi faire, là. En vrai, on a pas Internet. Y a pas de 5G. Normalement, on peut voir les points des joueurs selon la région. Du coup, c'est possible de comparer les rangs de top italiens et français. Oui, mais les Italiens, est-ce qu'ils ont une Trackmania Cup? Non. Oui, mais là, c'est pas sur la Trackmania Cup. Oui, parce que en fait, sur 1000 joueurs, il n'y en a que 10 qui savent jouer. Non, mais en vrai, il y a la grande. Par exemple, la Trackmania Grand League ou les compétitions Trackmania sont ouvertes à tous les pays.
Ouais. Après, c'est pas ma faute si je suis le seul Italien à s'inscrire à la Trackmania Cup. En effet, ça dépend des temps. Comme Dazoc dit, si les 100 font le même temps, du moins, donc c'est, ils sont dans le top 100 des top 1000, donc ils sont plus forts statistiquement que les 1000. En fait, ah oui. Et être premier sur 100, c'est pareil qu'être premier sur 1000. Mais faut voir le niveau de la quantité, en fait. Peut-être que les Italiens, c'est... Regarde, juste. Peut-être que les Italiens, c'est pas la quantité, mais la qualité. Mais ça a toujours été comme ça, en fait. La France, il y a la quantité, et l'Italie, c'est la qualité. Voilà. Et voilà, c'est ça comme ça. Oui, mais pourquoi tu dis ça sur un air en mode on va lui dire ça pour que... Bah non. Mais quoi? Si, je crois. Mais il y a plein du chat qui pensent comme ça, je pense. Il y a pas d'air. Si, je crois. Il y a plein de gens sur le chat qui ont se sont servis le sang de leur nez là, quand t'as dit ça, je pense. Mais tranquille, hein, tranquille. Juste, tu fais la map dans le bon sens, je crois. Écoutez, un Italien choisit sa voix, ok? Essaye dans l'autre sens pour voir. C'est bizarre, dans l'autre sens, non? Bah c'est quoi l'autre sens, du coup? Partir dans l'autre CP d'abord. Mais c'est impossible. Non mais tu tournes... Ah bah oui, comme ça. Et voilà. Let's go. Faut suivre les panneaux, en fait. Bébé. Ah ok, on te dit ouais. Là t'auras plus de vitesse après, en fait. Oui, pour aller. Ouais. Mais en vrai, si on reste sérieux, on s'aime. Ouais, tout le monde s'aime, ouais. Ici c'est le plaisir, hein. Ouais, c'est le plaisir. Allez, rigole. Je... Non, en vrai, non. Si. Non. Wow. Moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait un Italien qui arrive sur Trackmania et qui explose tout le monde. J'aimerais beaucoup. Mais je crois qu'il n'est pas encore né. Mais peut-être qu'il y en a un, en fait. Tu suis pas la compète Trackmania pour savoir. Parce que la Trackmania Cup, tout. C'est pas une compète. Non mais attends, soyons réalistes, je vois. Bah toi, non, ça peut pas réaliste. Être moi. Voilà, parlons sérieux, c'est impossible. Impossible que je remporte une Trackmania Cup. Même si je m'entraîne pendant 5 ans. C'est mort. Mais le truc c'est que. J'aimerais qu'il y ait un représentant italien pour la Trackmania Cup. Un vrai joueur pro italien, ça serait vraiment cool. Mais il y en a pas. Ou il y en a, mais... Bah, je sais pas. Ils ont peut-être pas envie. En vrai, j'avoue que si jamais je paye Gwen et Karl et qu'ils jouent avec moi... Bah non. Du coup. Ah, c'est terrible. La vie est dure, les amis, la vie est dure. Faut faire une annonce. Je vais essayer de voir s'il y a des Italiens qui jouent à Trackmania. Je vais aller les Wisp et je vais leur dire « Viens participer à ça, s'il te plaît. Montre-leur. Montre-leur, merde. » Après, peut-être qu'il y a des Italiens, Juice, et que, contrairement à toi, ils mettent, vu qu'ils habitent dans un autre pays, ils mettent le pays dans lequel ils habitent et pas le pays où ils viennent. Ouais, je vois. Bah en vrai, c'est la même chose, hein, quasiment, ce truc-là. Bah là, il faut réussir à... Ah, mais en plus, il te manque rien, Juice. En fait, il te manquait rien. Ouais, mais c'est pas grave. Il te manque 0.6. Non, mais c'est pas grave. Ah, okay. Parce que tu sais ce que ça veut dire. Ça ne sert à rien. Mais comment ça sert à rien?
Parce que c'est une médaille d'or en Italie. Mais on s'en fout. Non, ça n'a rien à voir. C'est une médaille d'or générale. La médaille d'or, c'est pas par rapport au pays. Non, mais c'est bon. La médaille d'or, c'est réussir la trage, en fait. Non, mais tranquille, c'est bon. Tant que t'as pas la médaille d'or, c'est que t'as pas eu une trage à peu près parfaite. Non, mais tranquille. Regardez, je suis 11e italien sur cette map. Mais pour vous, c'est quoi 11e italien? À vous entendre, c'est 111 millième français. Moi, je vais y aller, hein, je pense. Donc voilà, à un moment donné, voilà, les chiens ne font pas des chats, quoi. On a perdu tout. Il y a des viewers qui arrivent, ils doivent fouler le premier degré en mode. Mais qu'est-ce qu'il raconte, oui. Ils doivent être là en mode derrière leur PC. Sérieux, là, le voleur de Coupe du Monde? Bam! Voilà, et ça retombera encore dessus, parce que vous n'arrivez pas à effacer les choses. Alors qu'en fait, il n'y a que toi qui pense ça. Non, en vrai, il n'y a pas que moi qui pense ça. Et tu le sais très bien, vous le savez très bien, il n'y a pas que moi qui pense ça. Là, il y a plein de gens, même des footix, hein, ils attendent vraiment la rencontre France-Italie. Que la France gagne, qu'ils ouvrent tous leur DM en mode tiens, c'est qui le streamer italien déjà? Ah oui, Juice, c'est parti. Hop, les petits messages, hop, alors, les Italiens, la bouteille de champagne, elle se referme, hop, la Coupe de l'Euro, Thierry Henry. Ouais, mais c'est petit. Vous savez que la blague de la bouteille de champagne, elle a été créée grâce aux Italiens. Ah, DRK, est-ce que tu connais cette blague? Tu la connais cette blague, DRK? DRK! Je ne connais pas cette blague. Tu la connais pas, la blague du champagne? Non. Comment on referme une bouteille de champagne? Déjà ouverte. Bon, on appelle les Italiens. Et ça, c'était la blague qui a tourné pendant X années après le Coupe de l'Euro. Ah, d'accord, connaissais ouais. pas. Ouais. J'ai eu droit à ça tous les jours. Hey Juice! Juice! Tous les jours. En vrai, Torink, c'est pas juste à cause du foot. En fait, je pense que il faudrait un historien pour ça, mais ça doit être la même chose en Italie. En fait. Mais pas du tout! Pas du tout! Les Italiens ont pas des a priori sur les Français, etc. Pas du tout! Crois, moi aussi. Mais je te jure que pas du tout. Ma famille en Italie, ils sont trop contents qu'on soit en France et tout. Enfin, genre, ils sont en mode. Non, mais je te parle pareil, dans. Non, mais je te parle, genre, footballistiquement. C'est pas la même ampleur que quand il y a France-Italie en France. C'est faux, on vous insulte de ouf. Non, mais vraiment. Ouais. Aucune idée en fait. Oui, voilà, aucune idée, parce que tu dis pas, mais peut-être que c'est la même chose, en fait. Non, en vrai, je sais, mais j'ai pas envie de me faire ban Twitch. Voilà, mais donc, dans tous les cas, voilà, c'est toujours pareil. Non, mais voilà, enfin, mais oui, mais voilà. Comme on dit, il y a des cons partout, c'est tout. Attends, là, t'es en train de dire que les Italiens sont cons? Ça roule pas. Enfin, c'est bien ce que tu disais, t'as ciblé, là, on est d'accord? Je ne cible pas sur Twitch. On évitera de faire ban ta chaîne. Non, hein, mais tranquille. Et j'ai même pas dit ça dans tous les cas, donc bon. Non, mais y'a aucun problème. En fait, là, il essaye de faire ban sa chaîne pour prendre une semaine de vacances. Faut que je me stuff avec mon démon. Merci, Schwarzenegger. Merci beaucoup. Aïe. Merci beaucoup pour les 10 subgifts, Schwarz. C'est très gentil. Bienvenue au 10, merci beaucoup les amis. Est-ce qu'on pourrait se donner une petite marée de cœur sur le chat avec nos amis les lurkers, nos amis abonnés? Est-ce qu'on pourrait se donner plein d'amour là sur le chat? Non à la violence, vive les vacances, s'il vous plaît. Plein de petits cœurs les amis. Voilà, pour s'encourager un petit peu. Et je le rappelle, passez demain si vous avez envie de faire du sport. On va faire une petite séance de sport à partir de 18h30. On va faire un peu de sport, il y aura deux exercices à répétition sans matériel. Vous pourrez juste vous poser chez vous et essayer d'en faire. Et juste avant, il y aura l'annonce de Battlefield.
Merci Schwartz pour les 3 subgifts. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est à 3800 subgifts. Yes. Merci Schwartz pour ton soutien. Majestueux. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Combien? 3800. Oui, oui, vous avez bien entendu, 3800 uplifts du côté de Schwarzenegger. C'est mon Qatar à moi. C'est mon président du PSG à moi, quoi. Voilà, en vrai, avec Schwarz, vous voyez, Schwarz, il essaye toujours de m'amener en Champions League, mais j'arrive jamais à la gagner, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu pareil. Et le souci, est-ce que c'est les recrutements qu'ils ont problématique ou est-ce que c'est l'entente du groupe, l'entraînement Non, je pense que c'est surtout une entente de groupe communautaire, tu vois, c'est une communauté quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y en a qui comment on pourrait dire ça? Il y en a qui sont là en mode ouais, tu vois, qui se plaignent un peu et d'autres qui s'investissent, tu vois. Faut changer le groupe, quoi. Je dirais pas ça. En vrai, c'est la faute du président qui a pas su faire les choses. Et donc, c'est qui le président? Ah, c'est moi. Ah, c'est toi. Non, du coup, c'est pas Schwartz. Enfin, c'est compris, quoi. Je suis perdu. Ouais, moi aussi. Mais juste, j'ai mal à la tête. Mais moi, j'adore les Français. J'adore les Français, mais comme t'as dit tout à l'heure, il y a des cons partout. Et ça, c'est terrible. Moi, j'ai aucun problème. Là, je pense que ton souci sur la map, c'est que tu perds l'adhérence. T'es sûr? Ouais, il y a certains moments où tu perds l'adhérence. Pour nous, t'as déjà gagné, Jules. Non, mais... En vrai... Je pense qu'il y a beaucoup de gens, des fois, ils sont en mode... En fait, je dis ça parce que dernièrement, c'était horrible avec l'Eurovision et tout. Mais moi, en fait, je m'en fous du côté compétitif entre la France et l'Italie. Mais genre, ça me survole, mais d'une puissance. Sauf que parfois... Oui, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bien, bien, bien. Oh! Sauf que parfois c'est difficile. Ouh. Ah, qu'elle a. Ah. Je suis déjà allé en Vallée d'Aoste. Non, les amis, j'ai pas beaucoup voyagé en Italie. Je suis parti. T'es en train de commenter Battle Right là? J'ai la rêve. Ouais, c'était du Battle Right là. Tu veux faire cracher mon thé? J'ai pensé à ça, tu me fais recracher. Mais putain. Ouais, c'était bien du commentaire. Bien vu. Du coup, à la vallée d'Aoste. Non, j'y suis jamais allé. Oh là là, super saut ça! Elle a sauté sur le carton. Et du coup, non, j'ai jamais voyagé en Italie. En fait, je suis juste allé à Milan et à Vérone et à Modena et à Capri et à Ischia. Et j'ai fait 2-3 trucs. Mais il y a plein de trucs que j'ai fait quand j'étais petit. Mes parents aimaient bien partir partout en fait. Du coup, j'ai fait plein de trucs quand j'étais petit, bébé, et du coup, je me souviens plus. Mais voilà. Voilà, t'as réveillé Schwartz. Quoi? Pourquoi c'est réveillé? Modena, le temple d'Ascuderi. Bah oui. Modena. Moi j'avais... j'ai mon oncle et ma tante qui maintenant vivent à Vérone, qui habitaient à Modena avant. Et j'ai une photo avec Schumacher... C'est faux. Jamais allé dans le sud de l'Italie. Ouais. Bah, en fait, le bateau c'est Gênes. Donc j'ai fait les pays, les villes au sud. Et comment ça? Mais il y a un port aussi à Naples.
Oui, mais c'est plus facile de partir. En fait, les bateaux qui partent du Gênes, c'est les bateaux qui vont en Tunisie direct. Oui. Après, t'en as un à Rome. Oui. Rome, c'est loin, encore plus. Donc, autant prendre. Tu prends Gênes et tu fais 24 heures et tu arrives à. 24 heures ? Ouais, c'est long. 24 heures en bateau ? Ouais. Ah, c'est parce que tu dois faire tout le tour de la jambe. Non, tu vas tout droit. Oui, c'est vrai que c'est en face. De Gênes, tu vas tout droit. Ouais. Pardon, parce que pour moi, ouais, je me trompe. Non, on va pas dans les terres, on va pas en Turquie. On va en Tunisie, c'est en bas. Oui, 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 c'est bien. Oui. Cham, 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 chamado. Pardon. Mais c'est trop bon. Let's go! Voilà! J'ai réussi. Une seconde 7. Top 7, Italie. Et voilà, t'es presque. Hey, t'es à point 3 de la médaille d'or. Du... Non, mais c'est bon. Après, je vais pas avoir toutes les médailles partout. Mais si, il faut les médailles d'or partout. Mais non, le chat, ils s'en foutent. Mais non, le but est, t'es sur des maps train là, t'es pas sur la campagne. Oui, mais c'est pas parce que j'ai des médailles d'or que je suis bon, DRK. Regarde comment je suis nul en fait. Allez, on repart. C'est impossible, c'est impossible. C'est de toute façon, personne voudra jouer avec moi. C'est repart. Je vais devoir donner la manette à mon père et à ma mère qui joueront avec moi. Je pense qu'on va mettre un filtre. Un filtre. Et je vais mettre des en point de chaîne. Du moins le chat pourra activer en point de chaîne quand tu commences à faire ça. Et on va te mettre ta petite coquille sur la tête. Pff, vas-y, c'est bon. Toujours à vouloir me faire du mal, mais tranquille. Dire que là, j'étais en... Oh, encore 0.9. Attends, mais il m'en manque combien là? Il te manque 0.3. Là, t'as gagné 0.009. Vas-y, c'est chiant. C'est chiant, je veux top 1. Mais ça, on le sait, Ed. Ed qui m'a envoyé. En gros, il m'a envoyé le résumé, c'est. Accélère. Oh non, pas lui encore, pas lui aussi. Accélérateur. Pas lui aussi. Merci. Pas toi aussi, Ed. Au pire, tu peux retourner là, faire le Néo pour montrer à Ed. Là, je vais retourner là. Là, je pense que si tu mangeais pas la neige, tu peux gagner ces points 3. Parce que tu l'as. Hein. Non. Oh, je suis à rien. Je suis deg en fait. Mais je la mange pas vraiment la neige. Si c'est juste les rois avant. Dites-nous là, c'est quoi le souci là? Où est-ce qu'il gagne? Où est-ce qu'il peut gagner ses points 3? Bah nulle part. Parce que je suis nul. Ça fait beaucoup bien. Partu du coup. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage parce que je suis méga chaud en vrai. Bon allez, on va juste montrer... Attends, je vais quitter ça. Ok, premier virage, il faut pas qu'il contre-drift. Juste qu'il oriente sa voiture sans tourner pendant le virage. Ok, voilà. Ah mais en plus, t'avais une map au début, tu l'as jamais faite. Non mais je crois que... Attends, ouais. Je crois que ça c'était le drift basique. Ah putain, j'ai jamais fait. Ça aussi c'est un Néo, chat? Non, c'est pas un Néo ça. Ouais, ça a pas l'air. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi? Attends, est-ce pourquoi? Je sais pas ce qu'il essaie de me faire faire là le jeu. J'essaye de tourner seulement. C'est juste ça? Ouais, c'est la base quoi. Ok, ça se drift, ok, faut drift. Donc c'est ce que t'as fait en fait. Bah, j'ai jamais vu le. Ah voilà. C'est ça, ok. Ah, c'était ça, ok. Ah oui, mais t'es poussé au clavier. Pour les drifts, c'est clavier only.
Mais purée. Non mais j'essaie déjà de le rentrer avec le clavier pour le satisfaire, pour me... Enfin bref. Mais en vrai j'arriverai pas à la manette, c'est sûr à 200%. C'est impossible. C'est trop rapide pour Neo et j'y arriverai jamais. Oui non mais là y'a pas besoin de Neo. Oui je crois hein, on va passer sur l'autre carte. Oui c'est ça, c'est vu la speed là en fait comme le chat t'a dit, y'a pas ouais. Là le Neo. Voilà donc adversaire donc... de la zone Italie, top 5 et top 1 campagne. 273 Europe, est-ce que du coup c'est pas mal 273 Europe par contre? Bah oui c'est pas mal. Voilà voilà. Après... voilà. Après, en fait, on pourrait dire ça. Peut-être que les gens, quand ils réussissent cette map, ils sont peut-être top 20 France. Mais s'il n'y a que 20 Français sur la map... Mais non, mais du moins, c'est la même chose. De quoi t'es sérieux? Ok. Non, mais tu me laisses même pas finir. On parle de ça pendant une heure et le seul truc qu'il me dit, c'est « Bah ouais, mais le Français a fait peut-être 20 ans. » Ok, vas-y. Okay, je dis plus rien, c'est bon. Allez. Ouais, y'a même pas besoin de... Voilà. Y'a pas besoin de Neo Drift, les amis, vraiment. Je vois pas pourquoi on se prend la tête, en fait. Y'a juste à savoir tourner. Bien serré, voilà. 0,62. On va en faire, ouais. Non, Darker. Oh, il est parti. J'arrive pas. J'arrive pas. Mais oui, Neo. Neo, c'est pas utile. Mais en vrai, du moins, il arrive. En fait, là, il arrive à Neo avec le clavier. Il a réussi très rapidement, en vrai. Mais la manette, il a même essayé moins longtemps que le clavier. Tu vois, Ed. Ouais. Il réussit à le rentrer, le Neo là. C'est les maps de la Trackmania Cup? Non, pas du tout. Les premières maps de la Trackmania Cup seront build le 12. Samedi. Où il y aura les explications en plus avec ce format 3-3. J'ai migraine. En fait, le souci, regarde. Ed, regarde la manette en haut. Non, mais c'est que je sais pas. Je pense que c'est parce qu'il a réussi à le faire, mais je pense que c'est le fait du joystick qui revient pas assez. Ou le joystick que tu mets pas assez à 80. En fait, si tu regardes ton joystick, tu le mets pas à 80. En fait, tu le mets full direct à droite. Non, franchement, c'est dur de ouf. Hein. Et oui, c'est dur. Il y a plein de pros qui néo-driftaient pas pendant très longtemps, je sais. Et qui sont toujours. Qui ont été meilleurs que la plupart des joueurs. Même avec Milo, hein. Ah ouais. Je sais pas. J'ai la tête qui va péter cinquième. Alors, Ed te dit, commence à freiner avant de retourner. Commence à freiner avant de retourner, ok. Ah oui, mais... Attends. Attends, comment ça? Là, ça voudrait dire que je me place, je mets un petit coup, je freine et je tourne. Ouais, c'est ça. Ok. Là, j'ai tourné. Ouais, parce qu'en fait, tu tournes peut-être trop vite. Ouais, c'est juste... Je fais juste les deux en même temps, je croyais que c'était les deux en même temps. Oui, c'est les deux en même temps, mais vu qu'il y a un délai, en fait, essaye de le... En fait, essaye de le freiner avant. Ouais. Désolé, j'ai une petite migraine, là. Non, là, c'est pas question de vitesse pour le... Ah ! Ok. Attendez. Ah mais là tu vois genre, ouais. Je sais pas.
Je sais pas. Bah, c'est juste de l'entraînement en fait, t'as réussi à le rentrer, donc c'est juste avoir les mécaniques et ton corps, quand il le refait plusieurs fois, c'est qu'il aura l'habitude. Après, c'est de la mémoire musculaire, hein, le neuro. Et c'est très, très situationnel, je pense. Oui, c'est très situationnel, mais... Genre la dernière fois, on l'avait fait sur une carte qui nous avait bien aidé, sur les maps de sprint, enfin du spring. Spring. Non, t'en as fait. Si, on avait un passage où, à part que c'était un énorme dérapage, où je devais passer au-dessus d'un truc, passer entre deux quilles, tu sais. C'était un drift. C'était un drift que je faisais là. Ouais, c'était un drift. En fait, le fait de voir ces quatre, du moins, en fait. J'arrive pas à faire ça. Le néo-drift, c'est un drift à basse vitesse, en dessous de 200 km/h, je crois. Au-dessus, je crois que c'est un drift tout court, en fait. Même si, quand tu vois tes quatre, en fait, quand tu vois tes quatre marques, c'est que ça drift, si je me trompe pas. En fait. C'est merci World TV, 32e mois, donne tout, t'es un chef, merci beaucoup, c'est gentil. Mais oui, on essaie de s'entraîner, mais c'est vrai que c'est difficile, voilà. Et c'est vraiment dur de freiner et de tourner en vrai. Parce que du coup, mes mains, elles se comprennent pas. J'ai vraiment du mal. Ah oui, bah ça, c'est une habitude à lui donner. Oui, mais j'arrive pas. Parce qu'en fait... Bah oui. Ouais, non, je perds trop de temps, en fait. En vrai, je vais faire à ma façon, c'est-à-dire, à ma façon, c'est... Ça marche plus. Parce que, bah, on a changé les touches, du coup. Moi, je ferais ça, quoi. En gros, je prendrais le virage ici. Voilà, je ferais ça. Là, j'arriverai là. Et là, je touche, normal. Et je partirai. Et j'aurai 2 secondes de retard. Voilà. Bah, en vrai, ça, essaye de, pour pas taper le mur, refais ça, mais essaye de release sur le deuxième tour. Parce que, par exemple, si on disait que tu faisais ça sans Néo, comment tu le fais? Ah bah, je vais à 2 à l'heure. Et là, en fait, essaye, quand tu vois que tu vas taper le mur, je crois qu'il faut que tu essayes de release pour te remettre... Ça, par contre, c'est horrible. Hein. Faudra que je change, si on reste comme ça... Faudra que je change les risettes. Ouais, t'inquiète. Ouais, non. Comment ça quand tu no-drift? Mais Vilnery, il me disait pas ça, en vrai. Il me disait... Un coup, tu freines et tu tournes en même temps. Oui, tu freines et tu tournes en même temps, mais en fait... Mais là, ça tourne pas, ma voiture ne tourne pas. Quand j'arrive en ligne droite... Mais parce que là, t'as pas... En fait, ça devrait le faire quand tu néo. Là, tu néo pas, en fait. Mais du c'est coup... normal que ta voiture ne tourne pas. En fait, quand tu vois pas les marques de tes 4 pneus, c'est que ta voiture a pas néo. Elle a pas de drift, en fait. Ouais, bah j'arriverai. Ouais, enfin ouais. C'est le truc, c'est que oui, en fait, ta voiture tourne pas. Parce que... En fait, t'as pas cet effet-là parce qu'il n'y a pas eu le néo, en fait. Non, c'est pas Ticolis, c'est pas une arrivée à gauche, c'est le GPS. Non, mais même ça, on le fait, mais il est horrible. Bah oui, mais ça, c'est parce qu'il est maintenant. En fait, il y a plusieurs étapes. Oui, il y a le faire, rentrer dedans. Régulariser le néo, et après, t'as l'étape de savoir où est-ce que tu le rentres le néo. Et il faut le faire plus tôt sur la deuxième, vu que tu vas plus vite. Il faut le faire plus tôt. Parfait. Tu vois, là tu l'as fait. Mais t'étais au clavier. Ah bah oui, de toute façon, oui. Dommage. Mais le faire au clavier, c'est le easy mode. Bah super. Donc, déjà mes classements italiens c'était chiant. Et maintenant que je fais des trucs avec le clavier, c'est chiant aussi. Franchement, donnez-moi un ballon de foot quoi. Mais en fait, il a regardé Ed le. Comment ça s'appelle? Le GPS. Le GPS, il l'a regardé, mais c'est un GPS pour le clavier. Et sur le clavier, il a les. Il s'entraîne pas à clavier en fait, il voulait tester le néo au clavier. Non mais oui, c'est trop dur. En vrai, c'est vraiment trop dur.
C'est abusé, c'est abusé. Non, j'arrive pas. J'arrive pas. Mais c'est pas un troll, Taz, la vidéo ? Je vois la manette retourner et tout et tout. Franchement, je sais pas. Au pire, regarde le GPS juste. Et regarde où est-ce qu'il démarre son... Non mais même si je vois où il démarre, j'arrive pas à le faire en fait. En fait, ce qu'il fait, c'est que ce que j'arrive à faire au clavier en gros. Oui, c'est ça, mais oui, oui, exactement. Mais là, il est au clavier en fait, ça se voit. Par contre, je sais pas comment il appuie sur la touche rouge en même temps. Franchement, moi, j'arrive pas. Et parce... En fait, peut-être sa touche rouge, c'est une deuxième touche en fait, c'est la touche espace peut-être. Ouais. Mais du coup, moi, je suis en mode, au pire, voilà, s'il y a une course où il faut faire du néo, je prends mon clavier. Mais non, mais en fait, le néo n'est jamais obligatoire. Mais regarde, il est parfait ce néo là. Eh oui, mais voilà, ils sont très bien traînés. J'ai pas compris pourquoi il est pas parti. Et donc Ed disait, je relâche pas assez le joystick, je pense, entre le début du virage et le néo. Mais le PB, c'est que, ok, donc il peut pas, en fait, il a pas sa manette. Mais en vrai, je te montrerai. Lightning. Grand fou. Après, je dois avouer que j'ai un peu mal au doigt, quoi. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais. Hey. Bien sûr, ça permet de faire certains temps, mais je pense que avant que le Néo te fasse gagner énormément de temps, il y aura plein d'endroits sur la map où tu pourras grappiller pas mal Jesus de Fairock. Temps. Salut Sir Phalas. C'est ça que bon. Je veux dire. Attends, je fais une pause, j'ai un mal de tête. Bah ouais, bah tu peux finir sur ça. Hein. Oui, non mais tranquille, on va mettre la cam, les amis. Je suis trop d'infos, mon... Vous voyez la bosse, là? Regardez la bosse, là. Vous voyez la bosse, là? C'est tous les murs que j'ai pris sur les maps. Voilà. Elle a gonflé. Voilà, comme Rick P dit, si tu joues WR, le Néo, ça peut servir, mais sinon, c'est pas... Voilà. Non, mais oui, parce que, bah, de toute façon, attendez, vous savez quoi? On va finir sur autre chose. À un moment donné, en gros, c'est le but, clairement, c'est pas d'être de battre Carl Junior sur la Trackmania. Mais jamais, hein. Mais je veux même pas le battre, en fait. J'ai pas envie de battre Carl Junior. Moi, je veux juste que quand je fais mes runs, elles soient clean. Voilà, tout ce que ça, je veux. Il y a plein de choses à apprendre, c'est pour ça qu'aussi on a vu plein de trucs, parce qu'il y a plein de trucs qui sont à apprendre, c'est-à-dire que quand il a démarré, Juice, il savait pas trop pour le drift normal, et il l'a appris et ça l'a aidé à améliorer son temps sur les maps de saison en fait. C'est vraiment, voilà, c'est aussi le but, c'est que Néo c'est bien là, c'est-à-dire qu'on a pris un peu le temps, s'il l'apprend à la manette c'est bien. S'il l'a pas, c'est pas très grave en fait. Sachant que là, je dois aussi apprendre de nouvelles touches d'accélération et de freinage, quoi. Voilà, c'est-à-dire que là, le but, c'est... Là, c'est pas le Néo qui pénalise Juice sur cette map, par exemple. Il y a d'autres petits trucs à apprendre pour les trages qui font qu'il y a un souci. Par contre, ça me fait peur, hein, ces nouvelles touches, hein. Ça me fait un peu peur. Ouais, en fait, c'est l'une des peurs aussi que j'ai, Ed. C'est le fait de, quand t'apprends à drift et quand t'apprends à Néo, à vouloir drift et Néo tout le temps.
Bah oui, parce que tu vois que ta voiture part, du coup tu fais ton bail quoi. Ouais, en fait tu le fais tout le temps, alors que des fois en fait, le fait de drift va peut-être te faire perdre du temps, va peut-être faire... En fait, le fait des fois il faudra pas Néo, parce que en fait t'as pas besoin, par exemple, tu vas vouloir Néo dans une courbe, alors qu'en full speed tu pourrais faire cette courbe. Mais en fait là, moi maintenant j'ai cette... cette peur de pas aller assez vite, parce que du coup je sais pas trop ce que je fais, et du coup mes trajectoires sont bizarres. Comment ça? Mais en gros là, t'as vu, on n'arrive pas à sauter tout le truc parce que bah, j'ai du mal à freiner et à réaccélérer sur la pente quoi. C'est trop chiant. C'est dû à quoi? Bah c'est dû au fait qu'on a changé les touches. Non, et du coup j'ai plus cette habitude avec mes touches. Les touches, bah en fait, voilà, ça c'est comme tu dis, c'est une habitude. Les touches, ce qu'elles te font, juste, c'est que c'est... en gros, là, t'es en full speed. C'est comme si t'appuyais à fond sur la gâchette. Et quand tu lâches la touche d'accélération, c'est comme si tu arrêtais d'accélérer. C'est juste une habitude. Mais si, il a encore les gâchettes, hein. Non, elles sont désactivées, là. Non, elles sont pas désactivées, normalement, on les a pas enlevées, hein. Pour moi, elles sont toujours là parce qu'elles sont à part en fait. Et les deux gâchettes sont à part. J'ai pas arrivé à sauter. Analogique. Ouais. Tu vois, là, j'arrive pas. J'arrive plus. Oui, mais là, pourquoi t'y arrivais pas? Parce que t'as touché. Ça a rien à voir. T'as touché, donc t'avais moins de vitesse. Voilà. Là, en gros, ça normalement, si tu l'as, tu peux le prendre en full speed. Et le problème, c'est que c'est ça. Patanak, pas de cup du jour. Là, il va arrêter le live. Donc... Il va parce que ce soir, on a des choses à faire avec DRK. Les amis, ce soir, je mettrai probablement des photos sur Insta. On va monter le double PC. Donc, on va faire même du câble managing là. Donc, ce soir, on a du taf. Comme ça, demain, on sera peut-être sur un setup double PC. Avec ce que le partenaire Alienware nous a fourni. Donc ça va être de la bombe. Et là tu vois, je suis au clavier par contre. Genre là le souci, en fait tu vois là le souci au clavier, en fait c'est que t'as dans le tournant, je pense que tu peux le prendre full speed le tournant. En fait ton saut est pas bon de base, parce que normalement ton saut faut pas que tu atterris sur le bord. Donc ça c'est la trace, voilà là. Mais en gros après là c'est full speed et t'as juste besoin de tourner en fait, et t'as pas besoin de drifter. Et t'essayes de drifter. Je pense que du coup c'est bien. Oui mais non, mais c'est joli de drifter, mais ça fait perdre de la vitesse par rapport à full speed. Donc voilà, et je pense que là c'est pas une question de manette, c'est une question d'entraînement. Et de savoir jauger quand est-ce que tu fais ça ou tu fais ça. Et c'est pas question manette ou clavier. Ok. Genre là t'as perdu. Tu vois où est-ce que t'as perdu de la vitesse? Oui bah oui. Mais tu vois genre là. Ouais. D'habitude je gâchette droite. Enfin gauche quoi. Oui mais du moins tu peux faire la même chose avec la gâchette gauche avec. Ou la gâchette gauche si t'as envie. Oui. Parce que là si tu gâchettes gauche ça fait quoi? Bah y'a rien. Ça ne fait rien du tout si je gâchette gauche. Ok. Même la manette en haut le montre. Ah pas. Ça freine. Oui voilà, ils sont pas désactivés en fait. Ok. Genre là tu freines, c'est ça du coup? Non, normalement je devrais pas. Ouais, c'est... Bon allez, une dernière. Ça m'énerve de choke. Non, en vrai t'aimerais pas. Tu... Hein? Bon, je recommence.
Non, moi, trop avoir un DRK dans ma vie. Waouh. Alors. C'est pas alors. Le bon bail. Alors. Demandez à Jouf, c'est pas le bon bail. Ça m'énerve, et maintenant voilà, je vais vouloir continuer jusqu'à ce que je la finisse. C'est trop chiant d'avoir ce genre de cerveau. Vouloir toujours faire mieux. C'est une bonne mentalité. Hein. Tu restes pas coincé dans ton niveau et t'essayes toujours de faire mieux. C'est trop bien. Hop, la vitesse est passée, du coup ça va le faire. Et oui, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, jamais je pourrais accepter de jouer avec Jouf à la track 4 parce que je n'ai pas le niveau, en fait. Clairement pas le niveau de Jouf. Même avec l'entraînement, je sais que je ne pourrais pas atteindre le niveau de Jouf. Bon. En vrai même avec un train en fait. Ah, fais chier. J'arrive plus. Hier je le prenais trop bien ce virage. Mais là, tout à l'heure t'as eu une courbe parfaite hein. Du moins t'as eu un truc super clean hein. Oui mais c'est comme d'hab hein. La régu. Donc voilà, c'est ça, après faut bosser la régu. Et bosser juste. C'est tout. Si c'est la régu à bosser, bah voilà. La régu se bosse. En réussissant les maps, hein. En continuant à faire les maps. Hein. Et bien sûr, après, t'as de plus en plus de facilité quand t'as régulé énormément de maps. Mais voilà, c'est le temps de jeu et la map. Non, on va. Panilma, on va pas tester parce que là, tout se finit cette map. Oh là 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 là. Et après, on va arrêter. On a beaucoup de boulot. On a pas mal de taf. Mais en vrai, Juice a le niveau d'un Manu par exemple. Après, Kenny aussi. Kenny est un semi-alien. Il apprend n'importe quel jeu à une vitesse folle en fait. À part VLM. Kenny, ouais, non. Mais Kenny est spécial. Tu le mets sur. Oui, sur Kenny est très fort. Il a cette faculté, un peu pour prendre un autre exemple, un peu comme Nicalo, il a cette faculté de pouvoir devenir très bon sur plein de jeux en fait. Kenny l'éternel. Vas-y, c'est bon. Soulé. Hop là. Ça fait mais voilà. Mais en vrai, Juice a un niveau très 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 bon en fait sur le jeu et. Non, mais bon, j'ai un niveau très très bien. Ouais. Enfin, ouais, vite fait, mais regardez mes pouces en fait, vous voyez ? C'est foutu. Ils sont foutus. Voilà. Je sais pas appuyer avec une manette en fait. J'ai trop mal aux mains. C'est que tu sais, en fait, tu sais appuyer, mais tu appuies trop. Ouais, mais j'ai trop. Oui, mais je sais pas, parce que des fois ça tourne pas, du coup j'appuie comme un malade dessus. Non, mais c'est le gros bordel en vrai, c'est terrible. Un pitch. Le juge. Non, mais voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi, les amis. J'espère que ça vous a permis de souffler, de rigoler, de se faire plaisir, tout simplement. Merci, Derka, d'avoir été là aussi. Pas de soucis. C'était sympa, ce petit training. Et ouais, ça arrive le 12, donc bon, il va falloir réfléchir un peu à tout ça. Il faudra voir les maps, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et on verra bien. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein, c'est difficile. Hein. Et avec il y a plein d'infos et tout. Du coup, mon cerveau, vraiment, là, tout à l'heure, ça commençait à donner des gros coups dedans. Je vais aller prendre peut-être un Doliprane. Parce que la soirée ne fait que commencer de notre côté, donc voilà quoi. Si tu as l'impression de ne pas tourner des fois, check ta zone morte sur ta manette. Mais je pense qu'il y a des problèmes avec la manette. Hein. Je pense que le problème, c'est la manette. Au pire, je te ramène la Elite. Hein. C'est quoi la Elite ?
c'est la manette de Xbox, mais en mieux, en plus. Non, mais on va voir. En vrai, même peut-être si on peut mettre la manette de PlayStation, qui sera beaucoup plus petite, tu vois, je vais peut-être plus... Ah non, mais dis pas la manette PlayStation, par contre. Pourquoi ? Ah non, pas la manette de PlayStation. Bah on a fait beaucoup de let's play sur PlayStation. Ah non. Ok. Ah non, faut pas, non. À un moment donné, on se respecte tout ça. Je peux passer souvent, mais c'est toujours un plaisir. Je peux pas passer souvent, mais c'est toujours un plaisir. Merci, Juice. Merci, Turing, pour le message. Pas de ça ici, Juice. D'accord. Non. Ok, tranquille. Et oui, tranquille. Tu pourras tester la manette de PlayStation, ça se branche pareil maintenant. Avant, fallait un logiciel et maintenant... Oui, c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois. Enfin, ouais, quand je l'avais reçu, du coup, j'étais en mode ok. Dans l'heure, Denis. Bon, en tout cas, voilà. Les amis, on se donne rendez-vous demain à 14h pour une petite journée tranquille, avec un petit début de journée tranquille, avec les annonces du côté de Battlefield. Et puis, sport sur Adjust TV. Donc, si vous n'avez pas de matériel et que vous avez envie un peu de demain de faire du sport et tout, n'hésitez pas à venir. On sera là, on fera des exos sans matériel. Je vous expliquerai. Il y aura DRK encore un vocal avec moi. Et voilà. D'accord ? Je vous fais de gros bisous. Merci encore aux gens qui étaient présents sur la TV. Merci beaucoup pour votre soutien, votre générosité. Bienvenue encore aux nouveaux subs et aux nouveaux resubs. Merci encore aux subgifters. Merci Schwartz qui a été le dernier subgifter sur la chaîne. Merci beaucoup pour l'après-midi. En espérant que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à faire un détour sur les réseaux sociaux. Venez vous abonner sur les réseaux sociaux gratuitement, les amis. Et merci beaucoup encore aux gens qui ont peut-être découvert la chaîne aujourd'hui, qui ont follow. Merci à vous. Rendez-vous demain à 14h pour la suite de l'épisode sur la Juice TV. DRK, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut le chat. Au revoir tout le monde. Ciao.